Ça fait des années qu'on participe aux rencontres du cinéma parce qu'on est tout simplement fiers que ça ait lieu ici à Gérardmer et en Lorraine. Et la deuxième raison, c'est qu'on y prend un plaisir fou parce que tout au long de ces rencontres, on passe du coq à l'âne. C'est vraiment passionnant de découvrir des films et des ambiances différentes. Et puis c'est surtout les équipes de films qui intéressent notamment les auditeurs qui sont plutôt honorés finalement de savoir qu'on a des personnalités qui viennent en Lorraine. On a reçu ici Luc Besson, Jean-Jacques Hano. Là tout à l'heure, je reçois Clovis Cornillac et Manu Payet pour Radio Star. C'est un vrai plaisir à chaque fois de faire des rencontres avec toutes ces équipes de films. Bonjour à tous. Bah, la province vous salue bien, elle est contente de vous voir. Voilà, toujours très disponible à chaque fois qu'il y a une actualité ou une promotion, on est très content. Aujourd'hui, ce qui est très agréable, c'est qu'on a le sentiment avec le public à travers la France, on a montré le film depuis 4 semaines, tous les jours on fait plus de 2000. Et ça marche bien. Et le retour du public est hyper chaleureux. Bah, c'est très agréable de faire un film comme celui-là. On a trouvé. Moi je m'étais dit, quand j'ai vu le planning de cette tournée de présentation du film dans toutes ces villes, que ça allait être costaud. Effectivement ça l'est, là on arrive à la fin de la tournée de province, je ne vous cache pas qu'on est un peu fatigué, mais en même temps à chaque fois galvanisé par ces projections qui se passent, voilà, je vais continuer à toucher du bois, mais qui se passent bien, et, enfin même on peut aller au-delà de bien. Ça se...